Radio 1. Musique, info et vous sur le www.r1.mu. Pravin Jagnat vient dire à la page, au paragraphe 189, ceci. I am pleased to announce that the NSDC will start a vast program of construction in 2018-2019, cette année-ci même. Our aim is to build 6,800 new social housing units over the next 2 years. This endeavor has a project value of 12.7 billion rupees, presque 13 milliards de roupies. Tout commence par ça. Ce projet-là concerne une compagnie qui s'appelle Polytechnology, qui fait signer un accord, un MOU, avec le gouvernement pour financer et pour construire Sabane la case là, c'est-à-dire 6,800 la case, à 1,8 million de roupies par la case, ça fait 12,7 milliards de roupies avec des roundings. Et là, je prends le contexte que le gouvernement peut travailler. Premièrement, il y a une promesse qu'il fait pendant l'élection par l'Alliance Le Peuple, dont moi-même je fais partie. Il dit ceci dans la page démocratie, combat contre la fraude et la corruption. L'ensemble du processus d'appel d'offres publiques sera revu et une nouvelle législation sera promulguée pour introduire, pour garantir une transparence totale. Alors, une fournisseur d'armes qui vient bailleur de fonds du gouvernement mauricien pour un montant de 13 milliards de roupies. Et en même temps, il est pour construire sa fameuse 6,800 la case. Là. 6,800 la case qui Pravin Jagnat annonce. Maintenant, si tu existes un petit mémoire, un memorandum of understanding qui paye un commitment, mais qui fait annonce ça, qui NSDC will start in 2018 construction of 6,800 la case. Soit tu fille, soit tu garçon. Pas qu'à dire c'est un accord batinage. En même temps, on annonce dans un budget comme un fait accompli. Donc, un fournisseur d'armes qui vient bailleur de fonds du gouvernement mauricien, pas pour 5 sous 5 casses, parce que le gouvernement mauricien n'a pas dit 5 sous 5 casses, mais pour 13 milliards de roupies. La preuve qu'il peut bailleur de fonds, c'est qu'il signe avec SBM. Ici, avec un subsidiaire SBM, qui s'appelle SBM Infrastructure. SBM Infrastructure, c'est ce qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle, qui vient créer suite à la ligne de crédit indien, pour qui toutes affaires qui passent là-bas, toute dette qu'il y prend, passe dans la dette publique. Pourquoi donc cachette le MOU? Pourquoi cachette le MOU dans un SPV et qui fait accepter alors qu'il nous fait deal avec la case banque pauvre, avec l'argent contribuable, une clause de confidentialité, qui vient aujourd'hui une excuse pour cacher aux Mauriciens tout ce qui s'est passé dans le gouvernement. Toutes affaires et une cause de confidentialité. Et même speaker maintenant refuse d'accepter ban document. Cause de confidentialité, nous c'est l'essence. Clause de confidentialité, nous construit la case. Clause de confidentialité à Galega. Clause de confidentialité Metro Express. Tout ce que le gouvernement peut faire, il peut mettre une clause de confidentialité et peut servir ça comme une excuse contre, pour ne pas mettre de la transparence de ce qu'il peut faire. Et c'est ça qui m'a besoin d'un coup de main de tout le monde. Il peut faire un financement qui peut prendre une dette, qui à travers une manigance, pas pour paraître dans la dette publique. Il peut faire manier que ça 13 milliards de roupies là, prend prêté, pourrait payer par contribuable, mais pas passe dans la dette publique. Et t'as une compagnie d'ailleurs qui pas tombe sous propre acte. Radio 1 sur le www.r1.mu.